Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour apprendre à faire cette feuille bohème au crochet qui peut servir de sous-plat ou de décoration sur une table ou sur un mur, vous pouvez la pendre bien sûr. Donc on va apprendre à faire cette super jolie feuille au crochet, c'est très facile. Tous ces rangs sont des rangs de crochet tunisien basique, donc on relève juste les mailles et on les passe deux par deux. Vous verrez dans le tuto, c'est très très facile. Avec une pelote de Cotton Club, vous pouvez faire donc la grande comme ceci, le grand sous-plat, et trois petites comme ceci. Avec une pelote, vous faites un ensemble de trois petites qui peuvent servir de sous verre ou de déco. Ça, c'est vous qui voyez. Mettre un petit, un petit vase ou bohème ou quelque chose dessus, une bougie, ce que vous voulez, et la grande. Donc une grande et trois petites. La grande, vous verrez dans le tuto. Je commence par 18 mailles serrées et celle-ci, j'ai commencé par 6 mailles serrées. Vous voyez, vous pouvez moduler en fonction des mailles serrées du début, la grandeur de votre feuille. Je vous donne le matériel et ensuite, c'est parti pour le tuto. Pour faire cette magnifique feuille décorative, il vous faudra du Cotton Club T-Shirt Yarn Premium. C'est vraiment un trapillo beaucoup plus fin. Voyez, toujours de la même largeur. Il ne changera pas tout au long de la bobine. Voyez, vous le tendez un petit peu comme ceci et il est magnifique. C'est vraiment une qualité vraiment supérieure. Donc, il vous faudra une pelote, il vous faudra une paire de ciseaux, un crochet numéro 7, une aiguille à laine et quelques crochets assez gros. Je vous montrerai pourquoi on a besoin de crochets juste pour maintenir les mailles. Hein, C'est tout. Quand la feuille s'agrandit. Avec le crochet numéro 7, on va monter une chaînette de 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On vient dans la première maille, on fait une maille coulée. On a un petit cercle. Dans ce cercle, on va faire 18 mailles serrées. Alors on fait une maille en l'air pour commencer et 18 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5. 17, on pousse un peu, et la 18e. Je viens dans la première faire une maille coulée. Je tire sur le fil un petit peu, voilà, notre cercle. On a 18 mailles serrées autour. Maintenant, je rentre le fil à l'aide de l'aiguille à laine. Comme ça, il ne me gêne plus pour le reste du travail. Vous voyez, on peut le mettre à plat, comme ceci. Vous voyez, la largeur. Donc, je rentre dans l'aiguille et je cache mon fil. Le fil est caché. Je fais deux mailles en l'air, une et deux. Vous voyez, on a les brins arrière de la chaînette. Dans le brin ici, on fait une boucle. On est ici, on a fait nos deux mailles. Je retourne, je prends ce brin ici, vous voyez, à l'arrière de la première maille. Je pique et je sors une boucle. Maintenant, je pique ici sur la première maille où l'on a fait la maille coulée et je tire une boucle. J'ai trois boucles sur le crochet. Je fais un jeté, je passe deux boucles. Un jeté, je passe deux boucles. Voilà ce que l'on obtient. Une maille en l'air. Je retourne et je vois ici, vous voyez, des petites vagues. Je vous rapproche un peu. Une fois qu'on retourne, vous voyez, j'ai fait ma maille en l'air ici. Ici, on a une boucle, ici, une boucle. Je passe la première et dans la deuxième, je pique le crochet et je sors une boucle. Ici, on voit cette maille et la maille ici à l'arrière. Je pique et je sors une boucle. Au même endroit où l'on a piqué, vous voyez, la première fois, on repique une deuxième fois. On fera à chaque fois deux rangs dans la même maille. Donc, j'ai quatre boucles sur le crochet. Je vous montre à nouveau. On était comme ceci. On fait une maille en l'air. Je vois ici les petites vagues. Je passe la première. Dans la deuxième, je pique le crochet. Je sors une boucle. Ici, on a cette maille-là avec les deux brins. Le brin qui est à l'arrière. Je sors une boucle. Et dans la même maille, ici, voyez, là où on avait piqué déjà une fois, je repique et je sors une boucle. On a quatre boucles sur le crochet. Un jeté, je passe de boucle. Un jeté, je passe de boucle. Un jeté, je passe de boucle. On refait exactement la même chose. Maintenant, on piquera dans la maille qui vient. Pour vous souvenir, vous pouvez mettre un marqueur dans la maille suivante. Je mets un marqueur sur la maille. On sait qu'on piquera deux fois ici. Donc, une maille en l'air à chaque fois. Une maille en l'air, ça va agrandir à chaque fois notre aller-retour. Donc, je tourne, je passe la première, le premier petit brin, voyez, la première petite vague. Je vais dans la deuxième, je sors une boucle. Dans la troisième, je sors une boucle. Ici, dans la maille sur le brin qui est derrière, je sors une boucle. Et maintenant, je vais où il y a le marqueur. Je pique et je sors une boucle. Une fois sur le marqueur on laisse le marqueur on sait qu'on reviendra une deuxième fois au même endroit un jeté je passe de boucle 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 c'est un point tunisien mais vraiment d'une simplicité absolue donc une maille en l'air pour augmenter vous voyez le rang je tourne je passe la première petite vague je vais dans la deuxième je sors une boucle dans celle d'après, je sors une boucle. Dans celle d'après, je sors une boucle. Et dans la maille ici, sur le brin arrière, je sors une boucle. Je pique encore une fois où il y a le marqueur. Je peux enlever le marqueur. Un jeté, je passe de boucle. Un jeté, je passe de boucle. Un jeté, je passe de boucle, etc. Jusqu'au bout. Voilà ce que l'on obtient. Je mets le marqueur dans la maille d'à côté. Je sais qu'on piquera deux fois dans ce marqueur. Une maille en l'air. Je tourne, je vois les petites vagues. Je passe la première, dans la deuxième, je tire une boucle. Dans la suivante, je sors une boucle, je sors une boucle, je sors une boucle. Quand on arrive à la grande maille ici, on tourne et on prend le brin arrière et on tire une boucle. Dans le marqueur, on tire une boucle. On rajoute à chaque fois une boucle. Un jeté, je passe deux boucles. Un jeté, je passe deux boucles. On travaille souple. Un jeté, je passe deux boucles. Un jeté, je passe deux boucles. Un jeté, deux boucles. Un jeté, je passe les deux dernières. Vous voyez, ça agrandit à chaque fois. C'est ce qui donnera cette forme à la feuille. Une maille en l'air. Je tourne le travail, je passe la première petite vague, je vais dans la deuxième. Vous voyez, je passe le premier petit brin, je vais dans le second, je pique, je sors une maille. Et dans tous les brins, je fais ça. Quand j'arrive au bout, je vois les deux mailles ici, je tourne, je prends le brin arrière et je sors une maille. Et maintenant, dans le marqueur, on avait fait une fois, je fais une deuxième fois dans le marqueur. Un jeté, je passe de brin. Un jeté, je passe de brin jusqu'au bout. Un jeté, je passe de brin. Un jeté, je passe de brin, etc. Vous voyez comme c'est simple. J'enlève le marqueur. Je vais pouvoir le placer dans la maille qui vient. Ça peut vous aider. On voit que l'on a piqué deux fois dans chaque maille. Une maille en l'air toujours pour agrandir. Je tourne. Je passe un petit brin ici dans le deuxième je pique je sors une boucle vous voyez je tourne et je les vois dans chaque brin je sors une boucle quand j'arrive à la maille qui rejoint le cercle je prends le brin arrière de cette maille de la dernière Là, on a piqué deux fois dans cette maille. Je vais dans la maille suivante et je sors une boucle. Je fais un jeté, je passe deux boucles, un jeté, je passe deux boucles. Jusqu'au bout, on passe deux boucles par deux boucles. Une maille en l'air et je recommence. Je tourne, je passe. Le premier brin, dans le deuxième, je pique, je sors une boucle. Je pique, je sors une boucle. Je pique, je sors une boucle. Voyez, sur tous les brins là, on pique et on sort une boucle. Quand j'arrive à la maille, je tourne et je prends le petit brin ici. Je sors une boucle et une deuxième fois dans la maille la même maille, vous voyez, on a une maille ici, on pique et on sort une boucle. Un jeté et je passe les boucles deux par deux, à chaque fois un jeté, deux boucles. Je fais ça jusqu'au bout de mes mailles, un jeté, je passe deux boucles, un jeté, je passe deux boucles, etc. Je crois que vous avez compris qu'on passait deux boucles à chaque fois. Et les deux dernières. Vous voyez mais voyez la forme on va agrandir à chaque fois de ce côté jusqu'à arriver au bout. Une maille en l'air et je recommence le même procédé. C'est pour ça qu'on va céder d'un autre crochet parce qu'arriver à un moment donné, on n'aura plus assez de place sur le crochet. Je passe la première boucle, je vais dans la deuxième et je continue à relever mes mailles jusqu'en bas. C'est vraiment très très facile. Je vais jusqu'en bas. J'arrive à la dernière maille. Je passe derrière sur le brin arrière de la maille. Je tire une boucle. Là, on avait fait. Voyez, on a deux mailles dans celle-ci. Je vais dans celle d'après et je tire une boucle. Et maintenant, on va passer les mailles deux par deux. Vous pouvez tirer le fil de temps en temps. Voyez sur un mètre ou deux, il se place très bien comme ceci. Un jeté, je passe de boucle, vous voyez toutes les mailles que j'ai sur le crochet. Un jeté, je passe de boucle. On travaille souplement. Regardez comme c'est joli. Une maille en l'air. Et je recommence. Je tourne, je passe la première boucle et je vais dans la deuxième. Et je relève mes mailles jusqu'en bas. Encore une. La dernière. Toujours la même chose. Je penche et je prends le bras arrière. Je tire une boucle. Vous voyez, on avait une maille ici sur cette maille. On la voit ici. J'en refais une autre au même endroit. Et ensuite, un jeté de boucles, un jeté de boucles, etc. On peut prendre le crochet au bout comme ça. Vu que c'est très souple, on ne serre pas. Vous voyez Vous pouvez faire comme ça. Voilà ce que ça nous donne. Et donc, on continue. Alors, je vais vous montrer comment insérer un autre crochet. J'ai pris un crochet 8, vous pouvez prendre un crochet 6,5, enfin, quelque chose qui se rapproche de celui que vous avez. Une maille en l'air, je tourne, je passe le premier brin dans le deuxième, je tire une boucle, etc. Jusqu'au bout. On va faire une dizaine de boucles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, on va faire 8 boucles par exemple. 8. Vous voyez, je continue avec le crochet 6 et demi. Je laisse le crochet ici. Je vais dans l'autre brin et je continue à relever mes mailles. Puisqu'on relève des mailles, il n'y a aucun souci. Dans la dernière, je viens sur le brin arrière. On avait piqué deux fois ici. Je vais dans la maille suivante et je pique une fois. Et maintenant je passe deux par deux, un jeté, je passe de maille, un jeté, je passe de maille, un jeté, je passe de maille, un jeté, je passe de maille. On enlève le crochet, on remet le crochet dans la boucle, et un jeté, je passe de boucle, etc. Vous voyez, on continue le même travail. Vous voyez Une maille en l'air, je tourne le travail, je passe la première boucle dans la deuxième, je viens piquer et je fais mes mailles, je relève mes boucles. Quand j'en ai trop sur le crochet, je m'arrête là et je continue avec l'autre, je pique et je ressors la maille, etc. J arrive à la dernière je prends le brin arrière je tire une boucle et toujours dans la même maille on a piqué une fois on pique une deuxième fois et maintenant on fait un jeté et on passe deux boucles par deux boucles un jeté je passe deux boucles un jeté je passe deux boucles un jeté je passe deux boucles j'ai l'autre crochet donc j'enlève celui-ci je passe ma boucle dans le crochet et je continue un jeté je passe deux boucles un jeté je passe deux boucles on continue comme si c'était le même crochet, on fait notre jeté et on passe de boucle, vous voyez? Alors on continue encore et encore à faire des allers-retours deux fois dans chaque maille. Voilà au fur et à mesure donc ça s'agrandit. Voyez, on arrive avec trois crochets. Là, j'ai mis deux crochets et je continue avec mon troisième crochet pour relever mes mailles alors je relève les mailles jusqu'en bas la dernière toujours à l'arrière je mets mon crochet dans la maille voyez et maintenant un jeté je passe à travers deux boucles etc un jeté deux boucles un jeté deux boucles on travaille souple. J'enlève la boucle, je la remets sur l'autre crochet et je continue. Un jeté, je passe de boucle. Un jeté, je passe de boucle, etc. Jusqu'au bout. Vous voyez, trois crochets. Un jeté je passe les deux je reprends la boucle avec le crochet et je continue un jeté je passe deux boucle un jeté deux boucles etc jusqu'au bout c'est simple c'est très simple les crochets tiennent les mailles et on continue jusqu'au bout Vous voyez si ça glisse c'est pas grave on continue Voyez oui. ça condole un petit peu mais après on va déjà le tirer dans tous les sens lorsqu'on aura terminé et ensuite repasser à la vapeur à la pâte mouille pour bien l'aplatir et donc je continue, il me reste encore donc euh, un, deux, trois, quatre rangs, toujours la même chose, une maille en l'air, je tourne et je prends tous les brins avec mes trois crochets. Voyez, oui, je vais faire ça encore tous les rangs pour finir les mailles que j'ai ici. Alors là, j'avais fait euh, j'avais fait 18 mailles. Si vous voulez faire quelque chose d'encore plus grand pour faire des sets de table, vous, vous faites un cercle un peu plus grand au lieu de faire 6 mailles au début. Vous en faites 8 et vous faites dedans 24 mailles, et donc il sera encore plus grand et ça fera euh, la grandeur d'un set de table, celui-ci. C'est un centre de table, mais vous pouvez le faire aussi bien sûr bien plus petit, vous faites juste 6 mailles, vous faites des petites feuilles, donc ça peut décorer bien sûr votre table et faire un assortiment. Donc je finis mes rangs et je vous retrouve, je finis le dernier rang, vous voyez, je coupe le fil, je laisse une petite longueur pour entrer le fil, je fais une maille en l'air et je tire le fil. Voilà la pointe de la feuille. Donc ensuite on va bien l'étirer, vous voyez, pour qu'elle se place correctement et qu'elle ait une jolie forme. On n'hésite pas, on peut bien tirer, voyez. Vous voyez la, la forme de la feuille On peut lui donner une petite forme arrondie au bout. Je rentre le fil à l'aide de l'aiguille. Dans les mailles proprement, vous pouvez également la mettre de ce côté. Les deux côtés sont vraiment jolis. À vous de voir lequel vous préférez. Donc, je rentre le fil. Je vais donc donner un coup de vapeur à ma feuille en la mettant en forme dans la forme souhaitée. Un coup de vapeur et je vous retrouve voilà j'ai passé voyez la feuille avec une pâte mouille à la vapeur voyez comme elle reste jolie alors je vais vous la mesurer elle fait euh, 39 d'ici à la pointe et en largeur au plus large au plus large elle fait 32 32 cm voilà donc ma feuille de terminer. Alors comme je vous expliquais, vous pouvez faire seulement 12 mailles pour en faire une plus petite ou en faire 18 comme moi ou 24. C'est vous qui commencez avec le nombre de mailles que vous voulez et plus vous faites de mailles ici, plus ça agrandira la feuille. J'espère que mon tuto vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao